Le temps là, plus vilain, quoi, plus beau, quoi, que la fin, comme. Amen. Après tant que dans la rejouvenne à Maria. Voilà, après tant que j'en dois te le Et il n'y a la base d'un tina. Mais donc, bon, Maria, y'a plein de nouvelles, ma pote la libre plus haut. Où ira le nom de ma vie, où ira le nom de ma vie, Jésus. Amen. Dobra re mi ta o mau jila kokwe. Mi a kolum simbe Kristo donami. Mina mi a dobra. Apoto mi e de kukuna o. Bena cho o amen veluna mi a kolubo. O dola pekwe fande de na mi nyabe. Vio Kristo vas vame weto. Na be to pekwe kwe kula tiso gantimela. Mi a fon anwa gwenti kokwe toe. Tu mi apoto Jesu Kristo me. Amen. O se to si u katakula, pul vona ci jolin ci fa fama, tu mo bon blani popo me. Amen. Le to la ple vila kwa pul go kwa pula kwa kwa. Nous écoutons les intentions de la célébration. Intention du pape. Prions pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le cœur de Jésus. Action de grâce au Seigneur pour son anniversaire de naissance. Confie sa vie et celle de sa famille à la protection divine. Par l'intercession de notre Dame du Perpétuel Secours demandé par Immaculée. Action de grâce au Seigneur à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Rose Fernande Gagalo. Demande la protection divine, l'assistance de l'Esprit Saint, la bénédiction, la miséricorde divine pour elle et ses intentions personnelles. Par l'intercession de notre Dame du Perpétuel Secours demandé par elle-même. Action de grâce au Seigneur pour son anniversaire de naissance. Confie ses intentions personnelles, demande la protection divine pour elle et son mari, ses enfants, sa famille, demandée par Viviane Awili. Action de grâce au Seigneur pour l'anniversaire de naissance de sa fille Angèle et pour tous ses bienfaits, demande la santé, la protection divine et mariale pour elle et son foyer, demandée par Eugénie Eclou. Action de grâce au Seigneur pour son anniversaire de naissance, demande la protection divine pour elle, ses enfants, petits-enfants et lui confie ses activités, demandée par Adabra Irénée Aimé. Action de grâce au Seigneur à l'occasion de l'anniversaire de naissance de leur fils Fernando Kitei, demande la protection divine, l'assistance de l'Esprit Saint, la bénédiction divine et la réussite à son examen du BPC par l'intercession de la Vierge Marie du Cœur Sacré de Jésus-Christ, demandée par ses parents. Action de grâce au Seigneur pour son anniversaire de naissance, pour tous ses bienfaits, demande la protection divine pour elle, sa famille et les familles Akaku, Agbolare et Amouzou, par l'intercession de la Vierge Marie Saint-Joseph et de Saint-Kizito, demandé par Pierrette Chama. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, demande la protection divine, l'assistance divine pour la réussite de la cérémonie de fiançailles de Valère et Elsine Joelda, demandé par Elsine Amedji. Action de grâce au Seigneur, demande la santé physique, morale et mentale pour Mathias, demandé par ses parents. Action de grâce au Seigneur pour la vie de sa fille, demande la protection divine, l'assistance de la lumière du Saint-Esprit pour elle-même et pour sa fille, demandée par Justine Aka. Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie personnelle, familiale et professionnelle. Elle confie sa santé physique, morale et spirituelle et ses problèmes de papier au Tout-Puissant par l'intercession de la Vierge Marie, Saint-Joseph et de Saint-Antoine de Padoue, demandée par Aquenin Evelyne. Action de grâce au Seigneur, demande la protection, l'assistance et la bénédiction divine pour sa nouvelle boutique et pour sa prospérité par l'intercession de la Vierge Marie de Saint-Joseph, demandée par Marie-Reine Adomayapo. Action de grâce au Seigneur pour son anniversaire de naissance, demande la protection divine, l'assistance de l'Esprit Saint, la bénédiction divine sur elle, son mari et ses enfants, demandée par Teko Dédé. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans sa vie professionnelle, familiale et demande sa grâce dans sa vie par l'intercession de la Vierge Marie demandée par Agnès. Action de grâce au Seigneur pour l'anniversaire de naissance de Salomon Prosper Agoliki. Demande la protection divine, l'assistance de l'Esprit Saint, la bénédiction divine pour lui et pour la famille par l'intercession de la Vierge Marie demandée par sa mère. Action de grâce au Seigneur pour son assistance durant son accouchement. Demande la protection divine sur elle et son enfant Elion et toute la famille demandée par Kondo Bernadette. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, il confie son foyer à la Vierge Marie, prie pour une intention particulière demandée par une chrétienne aux États-Unis. Messe d'action de grâce au Seigneur pour ses merveilles dans la vie du révérend Père Jean-Baptiste Saladé, demande les grâces en surabondance de la Vierge Marie et son assistance durant tout son sacerdoce demandé par Diane.
Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie, par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par une chrétienne. Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie, demande la protection divine, l'assistance divine pour elle et sa famille, demande la guérison totale et que l'Esprit Saint la protège contre tout esprit de retard, prie pour l'ouverture des portes fermées, par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par Gisèle. Messe d'action de grâce en l'honneur du sang précieux de Jésus-Christ, de la très sainte Trinité et de la Vierge Marie pour sa vie, sa délivrance, sa libération et guérison en sa personne et aux membres de sa famille, par le secours de la Vierge Marie des anges, et prie pour une intention particulière demandée par Eric Agosseme. Messe d'action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, demande la protection divine de sa famille, prie pour ses intentions particulières pour la paix au Togo tout entier demandée par Madame Lani Paola. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, demande la protection divine sur sa famille, les prêtres et religieuses, et prie pour la paix au Togo demandée par Madame Vincent Mathilde. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits à l'occasion de leur premier anniversaire de mariage et pour l'anniversaire de naissance de leur fille Maria Gracias, demande la protection divine, l'assistance de l'Esprit Saint, la bénédiction divine pour eux-mêmes, leurs enfants, leur famille, confie la fin de l'année scolaire, ainsi que les examens de fin d'année des enfants à l'Éternel demandés par le couple Joël et Françoise Ega. Action de grâce en l'honneur de l'Esprit Saint pour ses bienfaits pour la réussite de la soutenance de master. Demande la protection divine, l'assistance divine, la bénédiction divine pour lui, sa famille, et confie au Seigneur son travail demandé par Emmanuel Alonso. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Demande la protection, l'assistance divine pour lui et sa petite famille, demandée par un chrétien. Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie, celle de ses enfants, spécialement Angeline et Martial, qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Demande la protection divine, l'assistance de la lumière du Saint-Esprit pour eux dans toutes leurs activités et un cœur de tendresse par l'intercession de la Vierge Marie et des anges gardiens, demandé par Rita. Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, lui confie toute sa vie, tout ce qu'il lui accorde et continue de lui accorder. Demande la protection pour ses enfants et la claire vision des choses à faire, la force de les accomplir, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint-Joseph, demandé par Marie-Josée. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans sa vie personnelle, celle de ses enfants, sœurs, cousins, cousines. Demande la protection divine, l'assistance de l'Esprit Saint, pour elle et pour la famille, par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint-Joseph et de Saint-Quisito, demandé par Justine Acca. Messe d'action de grâce au Seigneur, demande la protection divine, confie son travail, celui de son frère Freddy, et confie leurs intentions personnelles au Dieu des victoires, demandé par Justine Acca. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de ses enfants, ainsi que dans celle de tous les enfants du monde en âge de scolarité, mais confrontés à des difficultés, que Dieu leur vienne en aide, par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, demande l'assistance de l'Esprit Saint, la protection divine, et lui confie ses sociétés, demandée par M. Martin. Action de grâce à Dieu pour avoir exaucé ses prières, et prie pour une intention particulière, demandée par une chrétienne. Mais pour ses intentions particulières, afin que Dieu les soutienne tout au long de sa vie, demandée par une chrétienne. Mais sans l'honneur de Marie qui défait les nœuds en vue de défaire tous les nœuds dans la vie de Mireille, demandée par une chrétienne. Mais pour leurs intentions particulières, demande la grâce de Dieu et l'intervention de l'Esprit Saint et du sang de Jésus-Christ dans leur vie, demandée par les enfants de la famille Adoufou. Mais pour demander la miséricorde divine sur tout le monde entier, sur tous ceux qui traversent des situations difficiles, demandé par Marie-Michel Acca et Ferdinand. Mais en l'honneur de l'Esprit Saint pour sa libération spirituelle et physique, par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par Immaculée. Mais pour demander la protection, la bénédiction divine, pour tous les membres de l'association Les Bienfaiteurs, demande la couverture de la Vierge Marie, demandée par l'association Notre-Dame du Perpétuel Secours. Mais pour implorer l'Esprit Saint pour le pardon de leurs péchés, demandé par Auclos Delali, Justine et Jean-Paul Dou. Messe en l'honneur de l'Esprit Saint du sang précieux de Jésus-Christ pour demander la guérison de Nima Carmel, demandée par un groupe de chrétiens. Messe en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits accordés à elle, ses enfants, implore son perpétuel secours sur elle et ses enfants et petits-enfants, demandés par Marie. Messe en l'honneur de l'Esprit Saint de la Sainte Famille et de tous les saints pour leurs bienfaits dans leur vie, demande la protection, l'assistance, la bénédiction divine pour eux-mêmes, la famille et prie le Seigneur d'accorder la grâce de la conception Edwige par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph, demandée par le couple Edwige et Nicolas. Messe en l'honneur de l'Esprit Saint de la Vierge Marie de Saint Paul pour demander la libération de leur frère, demandée par la famille.
Mais est-ce pour implorer la miséricorde divine par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, de l'assistance de l'Esprit Saint et de tous les saints pour sa délivrance des nœuds, des liens de blocage dans sa vie, celle de ses proches, demande la guérison de ses blessures intérieures, la restauration et prie pour la conversion de ses persécuteurs, demandée par une messe en l'honneur de la Sainte Famille pour demander la grâce d'une bonne compagne pour son fils, afin que les deux vivent en harmonie jusqu'à la fin de leur jour, demandée par sa mère. Messe pour le repos des défunts des familles Ekulu et Gonsalves, demandée par Reine Ekulu Diokoto. Messe pour le repos de l'âme de Romador Michel, Apalo Christine, Lawson Emmanuel, et pour les âmes du purgatoire, demandée par Monica. Messe pour le repos de l'âme de Fabrice Landry, demandée par une chrétienne. Messe pour le repos de l'âme de Josiane Awili, et pour le repos de l'âme de Papa Denis, demandée par Catherine. Messe pour le repos de l'âme de Thomas K, les défunts des familles Aka, et pour les âmes du purgatoire, demandée par Marie-Michel Aka. Messe pour le repos des défunts des familles Afeke, Adetou, donc pour la délivrance des âmes du purgatoire, demandée par Adjo Vicentia. Messe pour le repos de l'âme de Nadège Somassé, pour le repos de ses parents défunts, des bébés avortés, des bébés morts-nés, pour les âmes les plus délaissées du purgatoire, demandée par une chrétienne. Messe pour le repos de l'âme de Maman Akosiwa Doraitui, pour les âmes du purgatoire, demandée par sa fille Sylvia. Mais pour le repos de l'âme de Joséphine Coulonie, décédée il y a 25 ans, demandée par ses enfants. Mais pour le repos de l'âme de Papa Émile Adjoumani, Florence Adjoumani, épouse Kofi, Marcel Adjoumani, pour les âmes du purgatoire, demandée par Maman Thérèse Adjoumani. Mais en l'honneur de la miséricorde divine, pour le repos de l'âme de Maître Apollinaire Yahvi Agwebor, et pour le bon déroulement de ses obsèques, demandées par la veuve et ses enfants. Mais pour le repos de l'âme de Papa Joseph Atakoupi, Maman Elisabeth Abenassema, Maman Marie-Cécile Afouadjama, pour les âmes du purgatoire, demandées par Maman Thérèse Adjoumani. Messe pour le repos de l'âme de Marie-Cécile Abenouvant, demandée par la famille. Messe pour le repos de l'âme de Papa Thomas K, des défunts de sa famille paternelle, maternelle, et pour les âmes de tous ceux qui sont décédés du Covid-19, demandées par Justine Aka. Messe d'anniversaire de décès pour le repos de l'âme de Christophe Diogo, pour les âmes du purgatoire, demandées par la famille. Messe pour le repos de l'âme de Clément Corot, demandée par la communauté paroissiale. Messe pour le repos de l'âme de Catherine de Lévis et Sébastien Tatagan Haïté Ajavon, défunts qui ont travaillé pour les Ajavon, des défunts des familles parentes, amis et alliés, demandées par les enfants de Catherine de Lévis Ajavon. Messe pour le repos de l'âme de Toussaint Madjoulba, pour le repos des âmes du purgatoire, prie pour le bon déroulement de ses obsèques, par l'intercession de Marie qui défait les nœuds, demandée par une chrétienne, et enfin, pour le repos de l'âme de Aïssata, Elisabeth et Agnès, demandée par la paroisse. Et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers fidèles, unis autour de la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours que nous célébrons aujourd'hui, nous allons prier pour toutes les associations de notre diocèse, de par le monde, qui invoque cette dame perpétuellement. Nous allons confier l'association de Notre-Dame du Perpétuel Secours de Saint-Quisito à la miséricorde divine que la Vierge Marie obtient de son Fils pour tout un chacun d'entre nous
les grâces dont nous avons besoin. Mais spécialement, aujourd'hui, nous allons lui demander, quand les malheurs, les désolations, les souffrances, les difficultés entrent dans notre vie, ne soyons pas fatigués de l'invoquer. Que nous ne soyons pas découragés de lever les yeux vers lui. Comme ce soldat dans l'évangile, nous allons nous lever vaillamment pour aller vers le Seigneur. Parce que c'est de lui et de lui seul que nous pouvons trouver la guérison, la liberté, les grâces nécessaires pour continuer la route avec son Fils. Nous allons demander à la Vierge de Marie de nous obtenir cette grâce de l'automne. Egbemire donku ni le dobubu nyanno maria perenton madujo bazambi le duegbe ndibe nyaso kisoto de sia de okopo pour le rasoso mais vous voli yakpatame nyape to gwanya be jose a torheria nyabe para sinkizito lobina ne nyanno kasia game perenton madujoa bahwa menubin que rien n'est de méthode de siade. Veuillez toi, Egbia. N'y a bien veillé, j'en veux, on va guérir, n'y a pas baudi. Veuillez se sauver, n'y a pas baudi. Nous sommes nous tchaka. Migué, le mort bien coumé. N'y a bien veillé, c'est bien avafé à la gamme, n'y a pas tchité, le bonbon, mais n'y a zon. Nous n'y a pas toi, Jésus Christ, soit dit. N'y a bien, n'y a non mari, abé, pas de on s'est mis. Et il y a que nous, nous avons pris le temps de faire des choses. Et nous avons mis des choses. 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 Nous avons Baga koi ba menu venu kore miyaji. Baga koi nubla ina minya benu vong ba rimona. Nye ba menu venu ko mi da biye dikenye yo. Nye miyantom, nye po me ou. Rentrons à nous-mêmes. Demandons pardon au Seigneur. Pour tous nos péchés, afin que ces péchés-là ne soient pas une blocage. Pour que les grâces du Seigneur puissent descendre sur tout un chacun d'entre nous. Rentrons à nous-mêmes. Demandons pardon au Seigneur afin que nous soyons dignes de célébrer cette Eucharistie. Mais vous maintenant, ma ou ton Saint Catato. Et si à ta mère le coucou de nom Marie Ayrato, de Tubela Pé Tebela, Nandipo Dolao, Blanc de Coco Catan, Bena Minovio, Bena Nandubela, Mau, Nia Petola, Etani, Mau ton Saint-Catatola, Nepon ou Blanc d'Inami, Nechom Nia Penouvo, Kemi, et Yoaklomi, Aïde. Apetant Jésus Christ, et tu no Maria nami, eye mie le bobo de epe no nomme tata kokulanu abe eno ene, eya si le besosodi anna mi epe kweperenu, mie le kuku demnao na mian no,
epe na mia lo epe non eno nyenye pe pepere nu biam da eye nya no agbe si je gbe si agbe de epe dede pe kute o sinye ma o lagbe hele fi adun kuli o pa pele gbogbo kokko la to ma vo hey ma vo Lecture du livre des Lamentations. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les pâturages de Jacob. Dans sa fureur, il a démoli les forteresses de la ville de Juda, il les a jetées à terre, il a profané la royauté avec ses princes. Ils sont assis par terre, ils restent silencieux. Les anciens de la ville de Sion, ils ont répandu de la poussière sur leurs têtes, ils ont revêtu des habits de deuil. La jeune fille de Jérusalem incline le front jusqu'à terre. Mes yeux sont ravagés par les larmes, mes entrailles frémissent, mon cœur défaille à cause du désastre de la ville de mon peuple. Car les enfants et les tout-petits s'effondrent dans les rues de la cité. Ils demandent à leur mère, « Où sont le blé et le vin ?» Ils s'affaissent comme des blessés dans les rues de la ville. Ils expirent sur le sang de leur mère. « Que pourrais-je te dire ? À quoi te comparer, Jérusalem ? Comment te consoler, vierge fille de Sion? Ton désastre est infini comme la mer. Qui donc pourrait te guérir? Tes prophètes avaient des visions trompeuses et vides. Au lieu de dévoiler tes fautes, ce qui aurait évité ta chute, ils ont trouvé pour toi dans leurs visions des oracles trompeurs et illusoires. Que ton cœur crie vers le Seigneur, rempart de la ville de Sion, laisse couler nuit et jour le torrent de tes larmes. Sans relâche, que tes yeux ne cessent de pleurer. Lève-toi, pousse des cris à toutes les heures de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève les mains vers lui pour sauver tes petits-enfants qui meurt de faim à tous les carrefours. Parole du Seigneur. Apoto, meganglo hiato pe agbedika o. 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 Mau, nukanti negbe midika, eye o domojuele ajujotum, de o nya lani pepe la onu. Donku o ameha, si ne hople le blema, eye ne debe, na choa wa domeninu na doku o. Plezion to si ji ne le la ji. Apoto, meganglo o hiyato pe agbedika o. De o afoyi, gli gwagba dika dika o bo. Futo la gble nwo katan le kokwe pe la. O keto le koklon, le o takpe pe o titina. Eye, o do pe jesi o, ne wanye jesi o. Apoto, meganglo o hiyato pe agbedika o. Ele abe amyade, si kof ya ji le ave de domane. O tojo o kokwe pe la, o gle kodo na wonko pe nokwe la, vasede anyigbanke. Apoto, meganglo o hiyato pe agbedika o. Mawu, donkun bablala ji,
Elabenan tasese pe nofo yo anyigba pe wawula pe fun. Megana mesi wo te de anyila na tro kple ngple kple ngpe wo. Nyato kple amadahe wo akafu wo nko. Apeto meganglo wo nyato pe agbe dika o. Nous nous levons pour l'acclamation de l'Évangile. Yesu tsɔ miaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo kple dɔlelewo ɖo eɖokui dzi. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 8, versets 5 à 17. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. » Je dis va et il va. À un autre vient et il vient. Fais ceci et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit pour que soit accompli la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Afin que s'accomplisse la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris sur lui nos souffrances, il a porté nos maladies. Marie est là, elle est là, elle est là. Marie est là.
Chers frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour ce cheminement d'une semaine que nous avons fait depuis lundi jusqu'à ce matin où nous clôturons la semaine avec notre Dame du Perpétuel Secours. Quelle grâce! C'est elle qui nous a enfanté le Sauveur, celui dont nous venons d'écouter, qu'il a pris sur lui nos souffrances, qui a pris sur lui ta souffrance, bien tes souffrances, qui a pris sur lui ta maladie, nos maladies. J'aimerais que nous vivions intensément cette célébration pour que chacun d'entre nous, ce n'est pas une messe de guérison, toutes les messes sont une messe de guérison, si nous savons les vivre, pour que la Vierge Marie puisse vraiment, vraiment intercéder pour tout chacun d'entre nous. Toi qui me suis sur l'humaine divine, sois vraiment concentré et implore la Vierge Marie. Parce que quand elle parle à son fils l'exécute. Elle ne demande pas. Elle a un pouvoir incommensurable sur le cœur, sur les actions de son fils. Pour le compte de ce matin, j'aimerais partager deux idées avec vous. Deux idées avec vous. Je vous rappelle toujours que cette semaine, nous avons dédié cela à la culture de la confiance dans le Seigneur. Nous devons cultiver la confiance dans le Seigneur. Et en voyant les textes, surtout les premières lectures, même les évangiles aussi, nous avons vu que le peuple d'Israël, ou bien ce que le Christ Jésus racontait dans l'évangile, avait des problèmes, des soucis, avait certaines difficultés où le Seigneur venait à leur rencontre pour changer quelque chose dans leur histoire. Plus encore, il y a ces personnes-là où le Christ a vu qu'ils ont une confiance, ils ont fait un pas dans la foi. Dans la première lecture aujourd'hui, nous voyons le chaos du peuple d'Israël. Le chaos du peuple d'Israël. Une page sombre dans l'histoire du peuple d'Israël. Nous sommes dans le livre de Lamentations. Tout est fini. On a rasé tout dans le peuple. Il n'y a plus de temple. Plus rien n'existe dans le peuple d'Israël. Tout est fini. Ce n'est que la ruine, la désolation, aucun signe de la présence du Seigneur. Plus rien, il n'y a plus rien. Plus rien. On nous dit, le Seigneur a englouti sans pitié tous les pâturages de Jacob. Dans son emportement, il a détruit les forteresses de la ville de Juda. Nous savons ce qui est arrivé à la tribu de Juda et à ses rois. Hier seulement, nous avons vu ce qui s'est passé. On a crevé les yeux du roi Sédécias. On a tué ses enfants. L'armée a été tuée aussi. Il a jeté à terre et profané le royaume de ses princes. Les anciens de la fille de Sion, assis par terre, se taisent. C'est fini. Ils ne peuvent plus parler. Ils ont couvert leur tête de poussière revêtue d'étoiles de sac. Tout est fini. Les yeux sont usés de larmes. Mes entrailles frémissent. Je vomis la terre, par terre, la bile. Vous savez ce qu'on appelle la bile? Veuve. Hein? Il y avait pancréas. Donc, il y en avait un on a donné ceux qui travaillent bien. Comment quelqu'un peut cracher la bile? Ça prouve qu'il est vraiment dans une situation. Si tu craches la bile, tu vas mourir. C'est une expression, quoi. Je vomis par terre la bile. Face au malheur de la fille de mon peuple, alors que défaillent mes petits-enfants et nourrissons sur les places. À leur mère, ils demandent, où sont le froment et le vin, alors qu'ils défaillent
comme des blessés sur les places de la ville et qui rendent l'âme sur le sein de leur mère. C'est fini pour Israël. Tout est fini. Tout est fini. Il n'y a plus d'espoir. Toi, mon frère, toi, ma soeur, excusez-moi, il arrivera dans ta vie aussi où tu vas subir des pages sombres de ton histoire personnelle, l'histoire de ta famille, dans tes relations, tu vas subir une page sombre. Tu vas rencontrer le malheur. Ta vie sera ruinée. Tu n'auras plus d'espoir. Tout sera fini pour toi un beau jour. Tout ce que tu as construit là, tu m'excuses de le dire, des fois même tu vas dire avec le Seigneur, tout ça là, ça va s'écrouler. Tout ça là, ça va s'écrouler. Tout va finir un beau jour. Toi aussi tu raconteras le malheur un jour dans ta vie. Je peux même exagérer en disant, tu vas passer dans la nuit sombre où tu ne trouveras pas de lumière. Tu vas te poser des questions. Des tas de questions. Peut-être en ce moment, si tu as tenté de traverser même quelque chose en ce moment, dur, que tu ne peux même pas exprimer comme Jérémie par rapport à ses habitants qui étaient encore là, qui étaient restés et qui voyaient les ruines de Jérusalem, du peuple d'Israël. Si toi aussi tu peux dire, j'ai envie de vomir la bile. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas l'occasion de te laisser aller. Le prophète continue en disant, que dire de toi? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? À quoi te rendre égal pour te consoler, vierge de Sion? Car ton malheur est grand comme la mer. Ton malheur est grand comme la mer. C'est sérieux. Qui donc te guérira? Pire encore dans ça. Tes prophètes ont des visions trompeuses. Oui, en ce moment-là, quand tu vas chez quelqu'un, soi-disant un homme spirituel, on va trouver quelque chose pour toi, quel qu'en soit le cas. Parce que tu traînes un malheur, tu traînes un problème, une souffrance. On va te trouver quelque chose là, quel qu'en soit le cas. On ne va pas te trouver un moyen pour te ramener vers ton Dieu. Mais on va te dire que soit c'est ta tante, c'est ton oncle, c'est ton enfant, c'est quoi, c'est quelque chose. C'est un vaudou, un fétiche de ta famille qui fait ceci, qui fait cela. On ne va pas te trouver moyen pour te dire, laisse tomber tout ça là. Chez quel nom spirituel, ils sont rares. Tu vas les entendre dire, sèche tes larmes. Ne pleure plus. Aie confiance dans le Seigneur. Ils vont avoir, comme la première lecture nous le dit, des visions bien proclamées sur toi, bien programmées sur toi. Des visions illusoires nous qualifient la première lecture, ces visions-là. Des visions bien programmées sur toi. Mais ce que Israël a fait et que j'aimerais que ce soit une bonne attitude ou bien une vertu à cultiver pour tout chacun, il n'a pas accusé son Dieu. Il n'a pas accusé son Dieu. Nous accusons, chers frères et sœurs, très souvent Dieu de nos malheurs. Pourquoi tu vas accuser Dieu? Est-ce que lui n'est pas fidèle? Si toi tu es infidèle, lui reste toujours fidèle. Si tu le rejettes, lui aussi te rejettera. Moïse dira, mieux Josué, plus tard, que je pose sur toi, devant tes yeux, la vie et la mort. À toi de choisir. Si tu choisis la vie, tu vas manger les bonnes choses du pays. Tu auras la bénédiction. Mais si tu choisis la mort, tu iras à ta perdition.
comme ce peuple-là n'a pas accusé son Dieu, mon frère, ma soeur, mon père, ma maman, ma mère, s'il te plaît, n'accuse pas Dieu en ce moment. Mais laisse-moi te dire avec les paroles du prophète Jérémie, pour encourager, pour donner confiance à ce peuple en disant, lève-toi, pousse un cri dans la nuit. Lève-toi, mon frère, ma soeur, pousse un cri dans la nuit. Au début de chaque veille, déverse ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Relève les mains, élève les mains plutôt vers lui pour la vie de tes petits-enfants qui défaillent de faim de tous les coins de rue. Est-ce que tu peux avoir le courage de crier vers le Seigneur, de pousser un cri de confiance? Mais des fois, en ces moments-là, nous nous lamentons sur notre sort. Oh, pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi? 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 Les pourquoi que tu es en train de lister sous forme de litanie ou bien de jérémiade, je peux dire, ne vont pas arranger les choses. Mais c'est de te nouer maintenant la ceinture et te tenir bon. Comme mes mamans de l'association se sont attachées les reins ce matin correctement, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et se tenir bon devant le Seigneur. Et lui dit, je lève vers toi, Seigneur, mes yeux. Je pousse un cri vers toi. Mais quand on se dit, on est fatigué. Oh, je suis fatigué là, mon père. Si j'entends ça là, je me dis, ah, oh, ne saviez-vous pas que nous les chrétiens, nous sommes des guerriers, des guerrières dans le Seigneur? Nous sommes des guerriers. Nous sommes des guerriers. Tu es une guerrière, ma soeur. Tu dois te lever en ce moment-là. Tu ne veux pas te dire que tu es fatigué. Je ne sais pas si c'est moi. Hein. Mais quand tu me dis que moi, Richard, là, tu veux te lever contre moi, là, c'est en ce moment-là que tu me donnes la force de prier. Quand quelqu'un te dit là que c'est fini pour toi, là, lève-toi dans le Seigneur. C'est en ce moment-là qu'il faut multiplier tes prières. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas aller faire quoi? Tu es ton Dieu. Tourne-toi vers ton Dieu. C'est mon invitation pour tout et chacun d'entre nous. Ne nous fatiguons pas de nous tourner vers le Seigneur. Ne te fatigue pas de crier vers ton Dieu. Quel qu'en soit tes malheurs, quel qu'en soit ta désolation, quel qu'en soit tout ce qui arrive dans ta vie, ne cesse pas. Nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame du Perpétuel Secours. Perpétuel Secours. Perpétuellement, la Vierge Marie intercède pour nous. Elle intercède pour nous. Pourquoi toi tu vas te fatiguer? Pourquoi? Pourquoi? Tu veux que cette situation ait raison de toi, de ta famille, de ton entreprise, dans ce que tu traverses? Les gens ont fait des mariages, ça n'a pas marché. Et c'est fini. Tu vas rester là? Hier, j'étais sorti vers 15h. J'ai vu une jeune fille qui passait avec des larmes. Elle est rentrée à l'église, elle est partie au sacrement. Elle est sortie. Elle me croise encore et me dit, mon père, est-ce que tu peux me bénir? Elle continuait pas à pleurer. J'ai dit, quoi? Tu as quoi, ma soeur? Elle me dit, c'est comme ça que mon mari m'a quitté. J'ai dit, pour cela que tu pleures? C'est normal. C'est normal. Elle avait un enfant au dos. Elle dit, c'est normal, c'est la vie. Tu seras désolé. Tu vas raconter le malheur. Tu vas tomber quelquefois dans la nuit. Mais ne te fatigue pas de te tourner vers le Seigneur. Ne te fatigue pas. Souvenons-nous de cette veuve-là qui venait cogner la porte à ce juge-là. Que rends-moi justice, rends-moi justice. Rends-moi justice contre mes adversaires. Qu'est-ce que Jésus va dire? Est-ce que ce juste-là ne va pas rendre justice à cette veuve-là qui crie vers lui jour et nuit? Pour cela, en comparaison à nous qui crions vers lui, nous, ses disciples, qui crions vers lui nuit et jour,
Pourquoi ne pas venir à notre secours? Et le moyen le plus sûr, c'est notre maman. C'est notre maman. Donc, mon frère, ma soeur, tu as soif de quoi? De la justice? Comme cette dame à sa soeur, où on l'a enfermée injustement. Elle est là maintenant, avec le poids de sa famille et sa soeur en prison. Que la Vierge, notre dame du perpétuel secours, vienne à ton secours, maman. Qu'elle vienne à ton secours. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es une guerrière. Tu es un guerrier, mon frère. Comme ce soldat, lève-toi. Lève-toi. Ne vois pas ta position sociale. Il dit qu'il est soldat. Il a des ordres. Des gens sous son ordre. Où il dit, va, il va. Il dit à ceci, viens, il vient. Et à son esclave, fais ceci, il le fait. Mais il n'a pas hésité une seule seconde à se lever et aller vers le Seigneur. Mais dans l'humilité, levons-nous et allons vers le Seigneur dans l'humilité. Dans l'humilité et dans la foi. Et dans la foi. Et adressons notre demande au Seigneur. En passant par notre dame du perpétuel secours. Tout ce que vous traversez aujourd'hui, tournons-nous vers la Vierge Marie. Tournons-nous vers la Vierge Marie et demandons-lui d'intercéder pour nous. Qu'elle intercède pour tout et chacun d'entre nous. Quand son fils va descendre et va changer le pain en son corps et le vin en son sang, qui change aussi la situation de quelqu'un ce matin. Qui change la situation de quelqu'un ce matin. C'est très important, chers frères et sœurs. Mais des fois, nous ne sommes pas assez humbles. Nous ne sommes pas assez confiants dans le Seigneur. Nous ne sommes pas assez, je ne sais pas comment dire, nous lever dans le Seigneur pour dire, Seigneur, je pousse un cri vers toi. Si tu le veux, comme le dira le lépreux hier, tu peux me guérir. Mais ce soldat va dire quoi? Je ne suis pas digne. Dis au Seigneur, dis à ton Dieu, je ne suis pas digne que tu peux faire ceci pour ma soeur. Tu peux faire cela pour mon mari. Pour mes enfants, je ne suis pas digne. Je sais que je ne suis pas digne. Je suis plein de péchés. Je suis infidèle. Mais dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Et nous serons guéris. Seulement une parole et nous serons sauvés. Oui, le Seigneur va dire une parole et tu vas le voir qu'il est un Dieu incomparable, qu'il est un Dieu plein de bonté, qu'il est un Dieu vraiment que rien ne peut égaler. C'est très important, chers frères et sœurs. Mais faisons une prière de cœur. On dit à l'heure même où le Christ était rentré en admiration en voyant la foi du soldat là, son serviteur était guéri. Il n'était pas allé, hein. Bien sûr que le Christ lui-même l'a dit, que je vais aller moi-même le guérir, mais en voyant la foi de ce soldat, cela a touché son serviteur. Celui qui va, ou bien celle qui va se lever ce matin en criant vers le Seigneur, comme un guerrier ou bien comme une guerrière, que le Seigneur rentre en admiration pour sa foi et sauve une situation dans ta vie, dans sa vie. C'est très important. Et alors, toi aussi, tu peux dire à ton Dieu avec ce cantique, « Qui peut te comparer? Tu es bon. » Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, qui te comparer, qui te comparer, tu es bon. Tu es bon, Dieu merci, tu es bon.
que la Vierge Marie, notre Dame du Perpétuel Secours, que nous supplions intensément aujourd'hui, lui qui nous a donné son Fils, lui qui a pris sur nous, sur lui plutôt, nos souffrances, nos maladies, qu'il intercède pour tout un chacun d'entre nous, parce que nous savons qu'il est un Dieu plein de bonté, un Dieu incomparable, un Dieu qui se lève dans notre vie. Nos ennemis vont repousser chemin. Que la force de cette Eucharistie change la situation de quelqu'un, bien de quelqu'une, d'une famille, d'une association, d'une entreprise. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Mila sele evangelia benu ube newa profeta Isaiah benya gboglola nube echo nyabe gbojo gbojo so do de kriji echo nyabe dole lo echo nyabe fu pepe unu ha ha so do kriji ne considera mi pata mle da fa for dinami le nyo mi bena nya jagbagba be de nyeri bazeni nya bagbe ame Christ o toyi ni mi ya do jire ma uji. Il y a carrément ou dit. Et nous, bah, c'est ça de que les gens, il y a tout dit, ou dit. Yé, les gens, les hommes, mon bénin, qui m'y sait, cacavalo et bia. D'après ma ou bien, ami de vous, quand c'est là, nous, coudo, n'y a non, Maria, que l'on tombe à du temps. Allez, bien, va oublier de me tourner ça, les bagues bêta. Mais caca, les dit, ou dit, dodo, qui m'y donne, vieille, Jésus Christ au moins. N'y va pas, quand il y a pas de mou. Ni gba gbo pe ni yan ba gbo alo fu pe pe ko gbe ni yan ba gbo oje a alo fu pe pe ko mo ni je la gbe mi a ba de yan do mi to de si a de ba gbe da le fu pe pe won mi gbojo gbojo mi gbe gba ba mi ba mi o mi ni a me de pe ma te fu akon ta be na re e ye je ma wu a o ma we la ve mu e ma wu fe mu wa ma te fu akon ta be je mi e mi le po le israel be ju kwa mi mi se ni na no pata mi e gbe a on le dit, Israël, be ntinya ke bagrombe enyi viviti ke dole Israël be ntinya ntia. Et la bena ga popoan me ke Yeremia. Lenyi le tutu ba me le dit. Le ke Israël du ko bati wa temple mbale. Afile pe mbale o la gabe ya ba dogoma wu. Ah. O gba no keke. Il faut que vous ayez deux montants à filer, vous avez tout volé à filer. Vous avez un catapulte, vous avez rasé dans le monde. Vous avez Israël. Vous avez un catapulte. 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 Vous avez un et si vous avez un temps, vous avez un temps avec Christ. Vous avez un temps avec Christ. Vous avez un temps avec Christ. Vous avez et va corriger Israël du Koradji. Mais c'est soi. Et fia, c'est des siens ça. N'gao, on dégou la pamene ou via oui. Et bien, ça, j'ai un mot pour j'en ai moins. J'en ai du quoi, non? Ou ou à pâté. Mon papa boule, n'est pas du quoi. Nous tous du quoi, mais dit j'en ai pas une balle. Et à tenir, on n'y a pas de métal et neva. Dit j'en ai pas une balle, n'y a pas de mot. Mon papa, des siens de boudomi. N'y a pas pour me. Nous sommes sacondoumi. Christ au tobac, bien garé, mon roi. Voir mes manana binari, non, 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 non. Et non, il y a des témoins. Jérémia, les gens, 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 les gens,
Donc lui nous rappelle la gomme. Gaon me wa, on kemi wa no. Mi na ngbe me, ma won te na bi, to gbo fo e ba jole ji, mi anu pompura ma wunti. Mi anu o le bi le bi lo ma wunti. Mi anu gbo nya ma din dan so ma wunti. Fo ma wu ke lo la bi ya. E la ti te ko la de mo bi na. Bara ba jora pa gbo ji kwa. Ye ba na ndare, ba no kunwa awu. Notre Dieu n'est pas un Dieu cynique. Non. On a dit, j'en ai dit, je ne sais pas si tu es un Dieu. Israël, tu crois, vous formez. Vous voyez, vous avez dit, 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 vous avez avec Christ au Torin, sans Jomini. Abbeyamé, Niantomi Brunebena, Abba Memilia. Dans cette vie, nous sommes dans le combat. Abba Memile. Abba Minan, au Kakabiakoué. Et y a là, Jomini a dit, va minou la blali. C'est vrai que non, y'a blali, c'est le nez, mais m'indiquez un nez. A-t-il tellement outillé? En au coup de ma voix, j'en coudoué. Mine de la noue. C'est vrai que. Et Seigneur, peut-on y souffrir au Benko? Yébé Yébo, Yébé Bienbénale, Apeto, Yébé Soubola, Lambé Blé, Beneva Kassintinaï, Neva Yodonaï. Dimatou, on dit qu'il y a Benale, nous battons. Mon bon pour le trouver là, nous battons, et nous t'y la pâte de Wontio. Dieu n'est pas fatigué pour ta vie. Lui continue. Et nous t'y connons, ma ou. Et des gens qui mi 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 les cafoulignes non mariés mais bien mais que l'on tombe à doudoua non vu l'on tombe non t'es là mal bon gassia gami ma doudoua ma doudoua n'y a pas n'y a pas baba c'est que mariés n'est ni n'y a non double rego et des gens ni ni on les miamé et des gens ni on les miamé mais des séries qui mila wari alors des séries qui me n'y a pas de mela la guinéenne n'y a pas baba bina. Il y a des gens qui ont été décourageants. Ou à même pas vision. Au plus d'arrêt, caca au vent, blanc, oh, assez les deux pour les appels pour moi. Vous jurez les deux pour nous. Au plus d'arrêt, vous. Au plus d'arrêt, vous. On l'a connu, coco, non, y'a quoi. Dada, ou à l'autre, toi, ta si, oui, et son l'eau, oui, et vie, oui, Amérique, on l'a connu, coco, coco. Quelle est la gaba, elle a maman la gaba pour moi. On doit mettre la gamma. Mouillon. Si Baba Fiala Gawan in here, O Chan Chite, Sigbebina, O la Bari Menene, Nason Gama Ugo, O te force at itina, Adoya Dubida Nini, Bidan Namiki Yang Kisotawa, Vamia Wellenko, Le Bobonin, Bakonko New, Bakonke la Sio, Bakopeda, a me a me a de Kelisi, Inni avantage in a you au, Avafiala Gawa. Et bien, mon lébé, pas cloté. Il est blanc, mais il est pas bien là-bas. Il est blanc, mais il est là. Il est blanc, et bien, et le cœur m'a donné ça. Il est là, ouais. Et bien, il est là, ouais. On va pas bien aller. Et il y a mes gars, les bleus. Avec nous, on a mes cils ici. Alors, il y a des ah, on. Rosse Bignari. Bon, il y a Bignari. Rosse Bignari. Dis-toi, tout le monde, il y a Bignari. Rosse Bignari. Bonjour, Bignari. Après, tu auras d'un petit nez de bénin. Mais un tel aïe là-bas. Là-bas, il y a tort. Et bien, il y a tort là. Obé. Après, tu as la grande nez de bénin. Après, tu as mis un djébé. Là-bas, il y a un. Va grogner les cacos. Et il y a un vomé la sain. Après, tu as pas dit job. Les nous souvent, après, tu as la grande. Puis, on s'est ta. Est-ce que après, tu as pas dit job. Là, puis, on s'est ou dit bien. Les ICS, c'est mes collés, toi. Là, il y a ce qui est pour la pas gourmet. Est-ce qu'après toi, tu es pour du genre de tiroir? Au dessous,
Asuwe mounyono, le nyuso gome, le nyono gome. Alo, le dibe, nyon ame de basuye si. Moun nete le soa si yo. E nou sakon vi, ti do la pa go, kwa vwa. Tite, si bi a pa fe ala gawane ne. Tite, na tere ama unti. Na tro drama ou bo. Mba gojo. Do uli na e bo. Nyano Maria. Le nami bore mou, dike ye ya. Obe, te ya peto, na peto Yesu Kristo, bon enebe avafia la gawa, bi hosia. Eto nebe nebe doyi, ebe sula be lame, ebo, epo haya haya. Obe kapopu wame ki, na peto Yesu Kristo ni gronyanea, ebe subola, e haya. Non vi non loto, hose, hose, hose ke la si webo. La pa zon li okudo Yesu Kristo, okudo onko mo le to, hose ke la si webo. Abe na Maria nenea. Mbagbojo. Madujo, madujo ari. Jagbagba benari. Ano chite rima unji. Ano dowi dare bo. Mbatro ra. Iye mebe nu yon bo. Toro ra inti. Apa gluwale. Eleba sime. E yare. Mouti keno nebe a benti o. Apa gluwale. Ape mouti kone benare. Ya hona o. Wale. Jagbagba benari. A zon le regbo. A te renti. Le rosse me kou bobo nye me. Na kou bobe nare. Ma ouwe ganyen nye ma. Ma bou jino la. Eba apa gome ma. Ma ouare. Kemi soubona. Ma ou trono. Ma vi lolotow. Dieu ne change pas. Ma tro agbira tro so. Va agbito e trona. Agbito e trona. Se bere ke profeta Isaiah le blombe. Wa ou. Ngon lon oube na. E so. Nyabe fou pepe rou de kredi, nyabe dole lou, nyabe yan chwa mbobo, so rou de kredi ya. Negere nyaba goumen di kenye ya. Soto Maria, pa betabli bimen. Alebe, ba kwa nyadou me tode siade. Be bojo bojo, fi koumi gele, nyabe dole lou. Lou kontou viviti le nyaba gwedi ya. Nyabe tode sou Kristo, ba gene nene ba goumen. E ba kwa nyadou me tode siade. E nyachan. Nya ke nyebe mouni, nya gombe na. Mi fuko sokudo. Mi mate son ma ulipi so sokudo. E alabe na, yo le ma oumia. Nde siya de trona. Yo le ma oumia. O la koro rodo ya kwe. Na Maria. Ne brinyata. Egbe. E so. To ma vò. E yi ma vò. Amen. Amen. Azon, nya ye dikle nou jojo. Nya ga bia so nya gbobe na, nya ga pere mianchi. Le, nya pe nou jojo.
avec les hommes que nous présentons. Nous t'offrons, Seigneur, dans la joie, le sacrifice de louange, en vénérant la mère de ton Fils, notre Dame du perpétuel secours. Accorde-nous le secours d'une telle mère pour que nous éprouvions ton aide dans toutes les difficultés de notre vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu as fait de la mère de ton Fils, la Vierge Immaculée, la mère et le secours du peuple chrétien, pour qu'il puisse, sous sa protection, combattre sans craindre le combat de la foi, demeurer ferme dans la doctrine des apôtres, avancer en sécurité à travers les dangers de ce monde et parvenir heureusement à la cité du ciel. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, avec la multitude des anges, nous te chantons et nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Metro now, Mau Metro now.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mau metronau, metronau, mau metronau, metronau, mau metronau, wenye bima mau, mau metronau. Se pam limancia lolo a solo ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre père archevêque Nicodème et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la résurrection de la mort et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons à notre frère de Bévi qui est décédé. Pour les âmes du purgatoire, les âmes de fin de nos familles, surtout les plus oubliés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, pour ceux qui ont demandé cette messe, pour ceux qui nous suivent en direct ou bien nous suivront en différé, pour les intentions de tout un chacun d'entre nous, celles que nous portons au plus profond de nous-mêmes, pour ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et tous ceux qui se recommandent dans nos humbles prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Dame du perpétuel secours, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Kizito et Saint Mathieu de Luganda qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abel Signor, la clema ou le blanc, nous fions bien là. N'y a d'autres, les bocs blancs bénins. Pour continuer, toi, au fiadou d'Ouneva, ne wa wa ou l'on l'on l'a dit bandi, si valet si ou on est le dipo aîné. Namie bia, nia pen keken doudou, na top nia pen nouvon kemi, si bia le signora, nye chow kena messio davore nia tili, eye me gade mombe nia detite kwame o, ke demila devolago. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Jean-Baptiste. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ma ou parle vilada mi poe. Et ya et choya me penu vanri. Ya ira tonya me sope va levi la penupe. Va blonya de kako, nye nou van menace. Nya peto Yesu Christo pentila, le vous, ne de la vidona akbe ma vola.
nous, notre Dame du Perpétuel Secours. Notre Dame du Perpétuel Secours. Notre Dame du Perpétuel Secours. Prions encore le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel et soutenus par la protection de la Vierge Marie, nous te supplions, Seigneur, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir pour revêtir le Christ et vivre de sa vie, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Donc, Azanyuena Milo. Mingbano, couvions les gongbons, mais au lot. Obéna, mini association. Allô? Maria, Benuto, Madujo. Nyacha mi njana gbagba bina mi majujo le bidodora me andaja mi wone ya ngba no gbe bidodora vava o munyo ele vevere nya bina no nyo mi ni fon fon de na fugare mo vaga ke icha gbagba ise me ele vevere et à nous tous faisons un effort pour ne pas être paresseux ou bien paresseuse spirituellement. C'est très important. La paresse spirituelle tue l'âme. Apetola l'année notre premier. Ma ou sainkatata pour nous blanipola. Tola, ple vila, bakle bobo kokula ne irambi. Mi salawe nous mihelinti fa famé.